Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour l'épisode 19 de notre campagne. Donc là nous sommes sur Isla Sorna. J'ai réussi en off à atteindre les 5 étoiles sans faire les missions. Voilà. Du coup j'ai déverrouillé la jungle et la gyrosphère pilotable. On a 46 dinosaures, bon ça suffit. Et là on va commencer la première mission de sécurité. Donc il nous demande d'avoir 100% du génome pour les dinosaures suivants. 2 apatosaures, 4 triceratops, 1 métriacanthosaure, 3 kentrosaures et 2 pentacératops. Et il nous demande que tous les dinosaures soient dans le même enclos. Du coup, là, il ne me reste plus que le métriacanthosaure à placer. Et je vois déjà qu'il y a une clôture qui est en train de se faire fracasser. Donc, je vais tout de suite utiliser. Oh! Il y a un des pentacératops qui s'est fait la malle, pas très coopératif. Voilà. Ouais, cette mission va être compliquée. Qui attaque? Mais comment ça se fait que le confort il est bas? C'est la surpopulation en fait, d'accord. Ok, là tout le monde pète un câble. Sinon, c'est pas drôle, cette mission va être pénible un peu. J'ai lâché le métriacanthosaure ou pas? Là, il faut endormir tout le monde et tout remettre dans le même enclos. Ça va être chiant cette mission parce que les dinosaures, ils ont un certain nombre. Donc, et voilà, il y en a un qui se barre, évidemment. J'ai demandé aussi en plus à l'équipe sécurité d'aller réparer la clôture, mais bon, normalement ça tarde. Quoi. Maintenant c'est les Parasaurolophus qui viennent se joindre à la fête. Ah là là là. Cette mission ne va pas être de la tarte. Et là-bas j'ai dit d'aller soigner ces dinosaures et ça le fait pas. Oh, vous payez pas rien foutre hein. Bon. Oh là là, un Kentrosaur, deux Kentrosaur. Il est où l'hélico là? Où est-ce qu'un trousseau il va? Donc là je vais laisser les s'endormir. Toi tu vas réparer cette clôture là parce que ah bah, ton collègue il est en train de le faire, c'est cool. Et les maladies au nord ça se répand. Tu pourrais te grouiller un peu, non? Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, après si tu veux. Voilà, ça c'est bon. Cette mission elle est pénible déjà. Et là on va les mettre tout au bout. Voilà. Toi aussi. J'ai repéré qu'il y avait un parasaurolophore qui paraso qui traînait. Il est là. Ça va, j'ai pas pris la mission la plus simple pour débuter. Enfin, les tricés réagissent plutôt bien.
pense qu'à la fin, je revends tout le monde. Là, je vais pas m'embêter. Je vous montrerai aussi dès que j'ai fini le sud de l'île pour vous montrer la dernière mission que je ferai, ça dans le troisième ordre, dans l'ordre, dans le dernier ordre, pardon. Bon là normalement tout le monde est là, j'ai oublié personne. Ah oui, il faut que je remette le parasol de l'autre côté, tu vois. Bon, 3 Kentro, ouais. Non, tout est là, c'est bon, j'ai recompté. Alors ils sont en train de le saisir. Au moins on a un beau petit, non, on a un beau petit vivarium, on va dire. Donc là je suis curieux de voir pourquoi ils me prennent ça. Je me demande si je devrais pas améliorer les clôtures, tiens. Juste par sécurité, je vais les remplacer, je vais pas me casser la tête. C'est juste pour cet enclos de test. Voilà. Ne me dis pas qu'il rentre, putain. Évidemment, il y en a un qui embête tout le monde, sinon c'est pas drôle. Putain, ils font chier. Attends, il y a un bâtiment qui a un problème, il semblerait. Ah bah c'est la clôture. Ils sont compliqués à tenir les pentacératops, hein. Je vais tout de suite, je vais moins me conduire ce véhicule parce que ça commence à m'énerver. Évidemment, il y a une clôture qui est en train de se faire exploser, merci. Parce que ces connards Pentaceratops cassent les couilles. Allez, trois brèches, hein. Les mecs, ils te font trois brèches normales, quoi. Putain, je dois tirer ces dinosaures pendant 5 minutes. Mais vous déconnez, ils tiendront jamais. Déjà tout remplacé par du béton, hein. Obstruction, obstruction, obstruction. Aïe 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 aïe, je vous jure. Bon, déjà le plus gros était remplacé. Pourquoi s'embêter avec les détails? Non. Est-ce que tu pourrais me réparer cette clôture avant que l'autre y rentre? Bah bien sûr que non! Ah non, sinon c'est pas drôle! Oh là là là, je te jure! Toi, tu vas devoir bouger un peu. Je suis désolé, la mission est vraiment chiante. Et voilà, tous les corétosaures qui veulent se faire la malle. Merci à vous! Toi, tu vas me réparer ça. Tu écoutes ça. Mais pourquoi vous rentrez là-dedans, imbécile, bande de... Putain. Bon, alors, on va tout remplacer. Bon, trop près d'un dinosaure. Bon, trop près. Bon, au moins, on a remplacé les murs extérieurs. C'est pas mal pour cet enclos. Dinosaure mort, où ça? Bon, je vais voir après, parce que là, cette mission, je sens qu'elle est très très longue. Ah bah, c'est le corytosaure qui se fait bouffer. Bon, bah, ok. Je dois les tenir 5 minutes, vous vous rendez compte. Et re, les amis, donc du coup, j'ai réussi à faire voir qu'il me reste moins de 20 secondes, parce que, bon, les pentacératops et tout ça, c'est assez compliqué, parce que... Il se barrait dans tous les sens, donc là je suis en train d'essayer de les tenir avec l'hélico, c'était ma petite astuce. Pendant, j'ai dû faire 2-3 fois ça pour éviter que les pentas cassent la clôture. Donc il nous reste 8, 7, 6 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, ça c'était fait.
Et je crois que la mission est finie, normalement. À mon avis, cet écosystème est parfaitement adapté. Je suis ravie de voir que mon projet s'est matérialisé. Le fait que vous travaillez pour moi, avec moi, a l'air de nous réussir. Je vous en remercie. La nature ne déteste pas l'ordre. Elle exècre le prévisible. Ok, on a fini tes techniques sophistiquées. Qui mène à l'atrophie, qui mène à l'extinction. Jusqu'au moment où une personne pourtant douée d'intelligence a la folie de vouloir créer l'ordre. Dans ce cas précis, le perverti. Ok, donc on a réussi toute la mission sécurité. Donc là, je vais... Enfin, la mission... Les missions scientifiques, pardon. Vous avez atteint tous les objectifs possibles au sein de la division science. Vous avez transformé nos recherches. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un puisse se passionner autant que moi pour les dinosaures, leur intégration et leur exploitation dans le monde moderne. Vous m'avez prouvé que j'avais tort. Donc là, ce que je vais faire, donc j'ai déjà commencé à vous préparer pour la prochaine fois. On va prendre ça parce que je crois qu'on en a besoin. Ok, donc on nous demande de transférer 5 dinosaures, à savoir un brachiosaure, un tricé, bon ça note 50, on l'a le brachiosaure je crois aussi, stégosaure il y a plus de 80, le T-Rex on l'a 340 et le spinosaure. Bon, on va déjà préparer la mission là, pour la prochaine fois. Voilà, donc on a réussi. Je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc là, je rentre tous les dinosaures et je vais incuber les dinosaures demandés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Et merci aux tipeurs. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.